17. On va lire à partir du 17e jusqu'au 28e verset. Là, ça sera un peu long. Et puis, nous prendrons 1 Samuel chapitre 17 au 55e verset, pardon, en appendice pour essayer de mettre de l'équilibre dans notre pensée. 1 Samuel chapitre 16. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. 1 Samuel au chapitre 17. On va lire. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça, il dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. On va lire le verset 55. S'il vous plaît, je lirai quand même le verset 54 et puis je vais prendre le 55. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Pour finir, Job au chapitre 33. On va lire le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Seigneur, nous voulons remettre ces instants de la parole entre tes mains. Que l'homme s'efface. Et que seul ton esprit puisse parler aux esprits. Nous te bénissons parce que tu es présent, parce que tu es glorieux, parce que tu ouvres les rouleaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui parle avant d'agir, un thème merveilleux. Ce n'est pas les prophètes qui m'ont donné ce thème. Il m'avait dit, donne un thème prophétique parce que nous avons besoin d'un message de la part de Dieu pour la nouvelle année qui vient de commencer. Il n'y a pas longtemps, après avoir réfléchi, après avoir prié, il y a une pensée qui est remontée dans mon cœur. C'était tellement clair. Le Dieu qui parle avant d'agir. Yes. Le Dieu qui parle avant d'agir. Je ne vais pas faire l'exégèse sur la personne de Dieu. Je veux comprendre Dieu en tant que tel que nous le connaissons. Mais je veux beaucoup plus m'attarder sur parler et agir. Amen. Parler et agir. Un Dieu qui parle. Il parle avant d'agir. Amen. C'est quoi parler? Je vais prendre trois idées qui se cachent derrière ces petits mots, ces petits verbes, parler. Parler en réalité, c'est le fait de prononcer des paroles dans sa bouche. Et l'action part du bourdonnement de la gorge qui touche le palais et la langue. Et puis le palais et la langue feront sortir un son, a priori qui vient
du mouvement qui s'est fait au niveau de la gorge. C'est ça parler. La deuxième idée qui s'écarte derrière parler. Parler, venir, transmettre une pensée, une intention qu'on a à communiquer à un auditoire, à communiquer à un peuple, à communiquer lors d'une situation quelconque. Troisièmement, parler, venir, révéler quelque chose. Ou autrement, je dirais, prendre la parole en public pour annoncer quelque chose. Mais ce soir, sur le plan thématique, j'aimerais mieux rester sur le fait de pouvoir dévoiler quelque chose, dévoiler une pensée qu'on a. Je voulais dire parler, selon notre thème, nous dirons, c'est dévoiler un plan. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29, au verset 11, la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Par là, nous voyons que Dieu est en train de communiquer une pensée au travers du prophète Jérémie à Israël, qui dit à son peuple, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de paix. Ce qui veut dire que quelque part, le peuple est en train de vivre une situation qui ne correspondait pas à ce que Dieu est en train de leur annoncer, selon son plan, selon son désir. J'aimerais mieux de prière qu'il n'y ait pas de distraction et que les gens puissent me suivre attentivement. Je veux parler comme un père. Amen. Je veux parler comme un prophète. Amen. Job au chapitre 33, au 14e verset, la Bible déclare ceci. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sauf que quand il parle, on n'y prend point garde. On n'arrive pas à discerner les voix de Dieu. Comment est-ce que l'Éternel parle? On n'arrive pas à saisir sa pensée lorsqu'il communique. Amen. La deuxième chose que je dirais concernant cette pensée sur parler, je dirais que Dieu ne parle pas seulement au travers d'un langage ou d'une parole quelconque qui sort afin que nous soyons édifiés. Comme Job dit qu'il parle d'une manière comme d'une autre, des fois il parle au travers des signes. Il parle par des songes. Il parle par des énigmes. Il parle au travers de visions. Il parle aussi au travers des signes. Il y a des signes qui annoncent le langage de Dieu. Comme autrefois Jésus était dans les lieux des crânes. Il était au bois du calvaire. C'était un langage. La Bible déclare, vers les heures de midi, il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. Pendant qu'habituellement, ce n'était pas le cas. On ne pouvait pas voir les ténèbres la nuit venir à midi. Mais cette ligne de démarcation, cette situation était une forme de langage de Dieu. Là, Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu a marqué un signe, une ligne de démarcation qui devait dire aux gens que les temps sont en train de changer et que la loi est en train de tomber pour que les gens soient intronisés à une nouvelle dispensation. Amen. La dispensation de la grâce. Amen. Il parle au travers des signes. Il parle au travers de certains gestes. De certaines choses qui se passent. La Bible déclare, il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Jacob avait 12 fils et une seule fille qui s'appelait Dina. Cet homme avait un enfant qui s'appelait Joseph. Joseph portait une tunique multicolore. C'était un langage de Dieu pour annoncer ce qui deviendrait. Amen. Le vêtement était symbolique. Était suffisant pour annoncer la pensée de Dieu. Amen, amen. Juste le vêtement, parce que c'est lui qui mettait la tunique, à multicolore, c'était le nez de la famille. Celui qui avait la robe bigarrée, c'était le nez de la famille. Lorsque même ils étaient à table, après que le père
soit servi. Celui qui avait la robe multicolore devait se servir. Parce que directement, on voyait le Père au travers de lui. Parce que selon la culture d'Israël, on voyait le Père par le Fils. C'est même la pensée de Dieu. Nous voyons Dieu au travers du Fils qui était venu. La Bible dit de lui, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Et par lui, par Jésus, on a vu le Père. Même dans un ministère, on peut connaître, excusez-moi par rapport à ce que je veux dire, on peut voir l'impact, la dimension, la grandeur d'un ministère au travers des fils et des filles qui se reproduisent dans un ministère. Lorsque tu vois un prédicateur qui n'est pas un prédicateur incombant, qui n'est pas un prédicateur rétro, qui expose lisiblement, librement, avec des connotations particulières à la parole de Dieu, on peut le voir. Et voir son père spirituel au travers de ce qu'il est en train de faire. Parce que le Fils est en train de représenter, est en train de marquer la pointe de celui qui l'a engendré. Amen. Voyons. Alors donc, si Joseph avait la robe, c'est qu'il veut dire que c'était la grâce de Dieu. Pour lui, que le problème de Joseph, c'était pas parce qu'il venait après. Sa présence à la famille, la robe qu'il portait, l'amour que son père lui donnait, l'essence qu'il avait, était un signe, c'était un langage de Dieu, était le parler de Dieu. Alléluia. La présence de Jésus dans le monde était un signe pour Israël. Malheureusement, Israël n'a pas saisi la pensée de Dieu. Le signe qui annonce quelque chose. Dieu a parlé, mais Israël n'a pas saisi cette pensée. Et Jésus regarda Jérusalem et il dit, malheur à toi Jérusalem, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Des fois, lorsque nous sommes visités, nous n'arrivons pas à saisir le temps. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que Dieu veut. Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Lorsque Dieu parle, il annonce ses projets, il dévoile ses plans. Mais attention, lorsque Dieu parle, il annonce aussi un jugement. Amen. Luc au chapitre 11, à partir du verset 38, si je me trompe, jusqu'au 57e verset, la Bible déclare ceci. Jésus regarde le Sadducéen, le pharisien, il a prononcé sept malheurs sur leur vie. C'était une pensée que Dieu avait pour eux à cause de leur attitude. Il les a dit, vous qui tuez les prophètes, je vous enverrai encore, Dieu vous enverra encore des apôtres et des prophètes. Vous tuerez les uns comme vos pères les ont fait. Commençant par Abel qui était un adorateur de Dieu. Et ça allait jusqu'à Zacharie qui était tué entre l'autel et le temple. Dieu parle aussi pour annoncer un malheur qui devait arriver. Attention, lorsque le malheur doit arriver quelque part, c'est qu'il y a d'autres qui saisiront la pensée de Dieu, qui doivent être affectés par le bonheur qui vient d'en haut. Je voulais ouvrir une parenthèse avant de continuer, avant de prendre mes textes et des bases, en disant ceci. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. C'est nous qui prophétisons. 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible déclare ceci. Aspirez au don spirituel, surtout celui de la prophétie. L'apôtre parle aux hommes qui doivent prophétiser. Et dans Romains chapitre 12, la Bible dit que celui qui prophétise le fasse avec foi. Et Dieu ne prophétise pas. Lui, il nous parle. En fait, que les gens qui reçoivent sa pensée puissent les transmettre. Et lorsque le mouvement se fait, Dieu parle, l'homme le prend et il les transmet. L'homme prophétise, mais Dieu parle. Et prophétiser veut dire prédire l'avenir. Dans notre pensée, Dieu parle avant d'agir, c'est-à-dire il prédit l'avenir avant de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Voilà, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait David.
1 Samuel au chapitre 13, 5e verset, si je ne me trompe, la Bible dit ceci. Pendant que Saül est en train d'être rejeté, Dieu lui a dit, je me suis choisi un homme selon mon cœur. L'histoire de la Bible approfondie dit ceci, que David à cette époque, il avait entre 5 et 8 ans. Ignorant, il ne savait pas ce que Dieu pensait de lui. Ah, combien Dieu a des choses merveilleuses qu'il pense pour toi, mais toi tu es en train de penser à autre chose. David était dans le champ. Il a commencé à chanter les psaumes avant même que Dieu puisse l'appeler. Avant que le prophète Samuel vienne le voir pour le oindre, il chantait déjà les psaumes. Vous savez, il y a des choses qu'on fait, des fois par ignorance, mais les dons de Dieu est là. Mais un talent quelconque est là. J'aime lorsque le talent devient un don spirituel pour le bénéfice de l'église, pour l'édification de l'église, pour la percée de l'église. Parce qu'il arrive des fois, on a des talents naturels. Il arrive des fois, on sait parler. J'ai rencontré le prophète Rifin au début de l'année 2002. Il parlait déjà bien. C'était quelqu'un qui avait de l'éloquence. C'était quelqu'un qui avait la rhétorique. Quelqu'un qui savait comment placer les mots. En écrivant, il avait la distinction dans sa manière d'écrire. En parlant, il avait la rhétorique. Il avait une certaine manière de parler. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Dieu, des fois, il prend ces talents naturels. Il les amène à devenir des dons spirituels. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, les dons spirituels, il n'y en a pas 9. Les dons spirituels, il n'y en a pas 9. Les dons spirituels, il y en a plusieurs. Parce que si on limite les dons spirituels à 9, c'est que nous ne croyons pas à la pluralité de Dieu. Et les gens qui exercent la libéralité, ce n'est pas un don. Les gens qui chantent, ce n'est pas un don. Les bons prédicateurs, est-ce que ce n'est pas un don? Prêcher la parole de Dieu, est-ce que ce n'est pas un don qui vient de Dieu? Ça, c'était qu'une parenthèse. Écoutez-moi maintenant, bien-aimé, le Seigneur. David, Dieu pensait à lui, mais lui-même, peut-être qu'il ne savait pas. Si David savait, pendant que Dieu est en train de dire à Samuel que je me suis choisi un homme selon mon cœur, 1 Samuel chapitre 13, c'est que Samuel n'allait plus venir pour le oindre. Dans 1 Samuel au chapitre 16, au verset 1er, la Bible déclare ceci. Le prophète Samuel est en train de pleurer sur celui qui a été rejeté. Écoute, Dieu lui dit, pourquoi pleures-tu pour celui que j'ai déjà rejeté? Moi, je me suis choisi un homme parmi les fils d'Isaïe. Va, oins-le. Le prophète a dit, mais si je m'en vais, quelqu'un me verra, il me tuera. Dieu lui donne une stratégie, lui dit, bien que quand tu vas faire les services, tu offriras un sacrifice, tu n'iras pas au roi. Vas-y, oins-le. Cet homme avait 8 enfants et David était le dernier. Les 7 se sont présentés, ce n'était pas eux. Eliab, costaud. Mais ce n'était pas lui qui avait la robe au bigarret. Ce n'est pas sur lui que la robe multicolore devait se positionner. Le problème de Dieu, ce n'est pas le problème de l'âge. Ce n'est pas le problème de la taille. Ce n'est pas le problème de la famille. Ce n'est pas le problème des études faites. Ce n'est pas le problème d'où tu viens. Les choses de Dieu dépendent premièrement de l'appel que Dieu t'a adressé. Deuxièmement, ton approbation par rapport à l'appel. Et troisièmement, lorsque l'appel rencontre l'approbation de l'homme, il y a une marche qui commence. Écoutez, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Quand Dieu t'appelle et que tu dis yes, ton oui, fera en sorte que tu sois un avec Dieu et vous commencerez à marcher ensemble. Je me l'ai dit, je me suis battu dans ma vie pour aller à l'université plus de 16 fois. Je n'ai pas été à l'université. Un jour, je suis venu voir le prophète Rifa, je lui ai dit, je vais faire une formation à l'école française de comptabilité. Il ne m'a rien dit parce qu'il savait que Dieu ne m'a pas appelé à ces histoires. Tout ça, c'était mon orgueil parce que je voulais un bon cursus lorsque je parlerai le prophète exaucé. Il est comptable de formation. Il a fait la gestion, comptabilité. Il est théologien de formation. Il a un bac littéraire.
Il a appris telle chose. C'était mon oreille, mais Dieu m'a dit, je te ferai rencontrer des grands hommes. Tu parleras à ces hommes. Tu leur diras des choses qu'ils ne connaissent pas. Et je mettrai la parole dans ta bouche. Ce n'est pas la comptabilité que je fais. Ce n'est pas la littérature. Parce que la lettre est tue. Mais l'esprit vivifie. Mais lorsque Dieu t'a choisi, il te mettra dans son école. L'école de Dieu n'est pas comparable à l'école des hommes. À Dieu, à sa formation. Comment? Dis ta main pour que je libère. Non, dis ta main pour que j'avance. L'école de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai des choses à dire ce soir. La plus grande question, c'est quoi? Le plus jeune dans la bourse, les gaillards, les trois premiers, ils étaient enrôlés dans l'armée d'Israël. Pour être enrôlé dans l'armée d'Israël, il fallait faire certaines études pour savoir bien tenir les armes, bien les ajuster. Et à cette époque, dans les temps anciens d'Israël, il y avait des études particulières. Soit on étudie la loi, soit on fait les études des hellénistes. Et ceux-là qui étudient la loi, ils devaient apprendre un second métier manuel. C'est par ricochet que Paul, qui a étudié la loi, savait aussi construire les tentes. Et Paul était un grand intellectuel. Mais écoutez, remarquons une chose. Logiquement, David, il fallait qu'il soit formé naturellement. Mais comment on prend les plus jeunes? On les met derrière les troupeaux. Ce que j'aime, il avait déjà son petit CV. Tout jeune, il faisait déjà des exploits. Son petit CV. Combien nos petits CV qu'on a peut-être peuvent devenir des dons, peuvent servir à quelque chose. Bien-aimé le Seigneur, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, je me tenais toujours devant les gens pour faire des discours. Dans des fêtes de famille, je tapais les mains, je disais aux gens, votre attention s'il vous plaît. Je faisais un bon discours en français sans lire. J'ai toujours aimé la langue française. Les quelques années que j'ai faites en Europe, 14 ans, je crois que j'ai parlé à Lingala 45 jours. Je passe ma vie à parler français. Je n'aime pas parler Lingala. J'aime pas du tout. Quand je suis venu en Europe avec beaucoup d'ambition, je voulais parler comme des Français. Vous savez, je fais quelques formations pendant 2-3 ans ici. Mais vous savez, Dieu met certaines personnes à côté de nous. Lorsque je rencontrais cet homme, il m'a aussi aidé à comprendre les systèmes français. Parce que comme il était dans le milieu, vous savez, je suis quelqu'un, j'aime reconnaître là où j'ai pris quelque chose. Je l'ai apporté la parole de Dieu, la lumière qui amène au salut. Mais par lui, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Il y a beaucoup de choses que je lui ai posé des questions. Il travaillait dans des grands bureaux. Il était administrateur dans des entreprises. Alors, il connaissait un peu les systèmes. Si tu viens au Luxembourg, tu vas voir que, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de bâtir une église très, très bien organisée. Mais ça, ce sont des questions que je lui posais. J'aime apprendre en regardant. Et je ne calcule pas ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent de moi. Ça ne me regarde pas. Dieu est vivant et l'âme d'exaucé vit. Alléluia. David, derrière le troupeau. Tout bonnement, quelque chose se faisait dans la famille. Le prophète est venu visiter la famille. On n'a envoyé personne pour aller les chercher. Sept personnes sont passées. Dieu a dit, c'est pas eux. Est-ce que c'est fini? C'est là où il s'est souvenu de David. On appelle David. Dieu dit, oins-le. Lorsqu'on la oint, bien-aimé dans le Seigneur, du fait qu'on la oint, l'huile sur la tête de David était un langage de Dieu. Par rapport à ce qu'il deviendra. Bien qu'on lui avait dit qu'il deviendra roi d'Israël. Mais au-delà de la royauté, lorsque Dieu te donne une grande promesse, tu dois comprendre que la promesse est rattachée à des choses. À de multiples batailles. Premièrement. Et deuxièmement, il y a des étapes que tu dois traverser avant que tu arrives à la royauté. Lorsque son frère, dans 1 Samuel 17, s'est enflammé de colère, dans les textes qu'on a lus, quand il a vu David dans les champs de bataille,
Lorsque son frère a entendu ces choses, certainement, il s'est dit, il deviendra roi. Pourquoi pas moi? C'est moi l'aîné de la famille. C'est ça le même problème avec Joseph. Je suis cinquième de ma famille. Je suis le chef de famille. C'est incontestable. Ma famille est là. C'est incontestable. Je suis le chef de famille et le responsable légal établi par Dieu. Mon père a laissé tout le monde à moi. Et je mets ma tête partout dans les problèmes de tout le monde, étant leur père. Lorsque mon père mourait, j'ai vu ma mère pleurer, je lui ai dit, tu es à moi. Il est mort, je suis là. Je le vis, s'est calmé. L'éternel est vivant. Et ton âme vit. David, on l'a roi. C'est comme si rien ne s'est passé. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te donne une promesse, la promesse prend un impact particulier au moment où toi tu commences à réaliser la grandeur de la parole prophétique, la grandeur de ce que Dieu t'a dit. Si toi-même tu ne réalises pas, comme le prophète disait tout à l'heure, la journée peut être particulière, mais pour toi la journée ne sera pas particulière si tu ne saisis pas ce que Dieu est en train de vouloir communiquer à son peuple. Un jour Jésus passait, c'était un jour ordinaire. Mais pour la femme à la perte du sang, ces jours étaient extraordinaires parce que après 12 ans de perte de sang, elle s'est dit, today, je vais saisir le pan de sa robe. Quelque chose que personne n'a fait. Cette femme avait compris premièrement le mystère du manteau et que c'est dans le manteau qu'il y avait la vraie identité de la personne. Oh, la vraie identité de Christ avait la capacité de pouvoir ôter sa maladie. On ne connaît pas le nom de la femme à partir du sang, mais on connaît son histoire. Qu'importe si je ne suis pas connu dans ce monde, mais si je prêche l'histoire de ce Jésus. C'est ça qui est plus important. Son histoire est marquée parmi les histoires de Dieu. Une journée ordinaire. On ne sait pas si c'est un lundi, si c'est un mardi, mais ce que nous avons, elle a tenu. Elle a été guérie. Rendre le langage des dieux surnaturel. Comment nous pouvons comprendre que David l'a fait? C'est parce qu'après ces choses, il se fait que Israël vivait un temps où ils étaient sous la malédiction. Pourquoi? 1 Samuel chapitre 8, ils ont demandé un roi. Chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a dit au prophète, c'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Ils me rejettent, moi. Donne-leur ce qu'ils ont besoin. Saül a été choisi. Mais il les a dit, voici les choses que le roi fera. Il prendra vos filles, il va vous réduire en esclavage, il prendra votre dîme. Pendant que les rois n'avaient pas le droit de prendre la dîme devait revenir aux Lévites, les gens de la tribu de Lévi. Et Saül était de la tribu de Benjamin. Comment il devait apercevoir la dîme? 1 Samuel chapitre 8. Toutes ces choses sont écrites là. Parce que Dieu l'avait annoncé. Vous savez, lorsque tu vis sous une forme de malédiction parce que tu t'égares de la voix de Dieu, le diable n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais je vais te dire quelque chose. Le diable sent et il voit l'étoile qui est en train de briller. Il peut localiser cette étoile pour comprendre là où l'étoile brille. C'est par ricochet que tu remarqueras au temps de Jésus-Christ. Lorsqu'il était né, la Bible déclare, les mages ont vu l'étoile. La Bible ne me permet pas de dire que les mages étaient des sorciers parce qu'ils ont été divinement avertis, la Bible dit. Et ils ont adoré. Bref, c'était des lecteurs de la loi de Dieu quelque part, bien qu'ils étaient, ils sortaient d'une nation païenne. Ils ont vu l'étoile. Mais écoutez, Hérode aussi, il a sorti une loi qui pouvait faire en sorte que l'étoile soit mise à mort. Alléluia. Une loi était sortie pour que l'étoile soit mise à mort. Le diable, lorsqu'il sent
ton élévation, lorsqu'il sent que tu reçois une parole de la part de Dieu, c'est là où le vrai problème commence. Le problème avec Dieu, c'est de ne pas parler. Il peut parler. Le problème, c'est l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et l'accomplissement de ce qu'il a dit dépend de deux choses. Dans le mystère de l'accomplissement, Dieu n'a pas un grand rôle à jouer. Dans le mystère de l'accomplissement de la parole de Dieu, Dieu a moins de 20% de rôle à jouer. L'accomplissement dépend de l'homme qui a reçu la parole de l'Éternel. Écoute, je vais m'expliquer. David reçoit la parole de l'Éternel, qu'il deviendra roi. À cette même période, il n'était qu'un enfant. 1 Samuel chapitre 17, le roi lui a dit ça. Est-ce que vous vous imaginez un enfant qui reçoit la parole de l'Éternel? On peut dire qu'à cette époque, David avait à peu près 17 ans. Mais cette parole ne pouvait pas accomplir pendant qu'il n'avait pas la maturité, pendant qu'il n'était pas formé, pendant qu'il n'était pas préparé. Lorsque Dieu te parle, tu dois équilibrer la dimension, la taille spirituelle de la parole que tu as reçue de la part de Dieu pour essayer de voir ta position à toi. Des fois, nous devons être humbles de regarder notre position par rapport à la prophétie et dire, je crois que cette prophétie n'est pas encore égale à ce que je suis aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la prophétie est fausse. La prophétie est vraie. Mais il faut que je marche pour que je me mette à la même longueur d'onde par rapport à la prophétie. L'équilibre qui se fera entre la prophétie et ton application à la formation divine te permettra de pouvoir attirer la prophétie à l'accomplissement. On parle à un homme qui est un enfant. Et cet homme, bien aimé, lorsque Dieu te parle, tu dois marquer ton époque. Tu dois commencer à faire des choses qui te permettra à toi-même de comprendre si Dieu réellement t'avait parlé. Combien les serviteurs de Dieu meurent. Ils ont la parole de l'Éternel. Il y a 10 ans, Dieu les a dit des choses. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans le ghetto. On est parisiens. Nous sommes parisiens. Oui, c'est bien. Est-ce que Dieu t'a appelé à Paris? Est-ce que Dieu t'a appelé ici? En Belgique, dans la commune d'Anderlecht, plus de 1400 et quelques églises enregistrées dans la commune, légalement. Pendant qu'il n'y a pas de réveil, et il y a des églises qui n'ont que 3 personnes et 2 personnes. Est-ce que Dieu est là? Le problème, ce n'est pas le nombre. Parce que ces gens-là, Dieu les a dit de commencer les églises. Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce qu'ils sont dans l'endroit où Dieu les a établis? Écoutez, tu deviendras roi. Roi de qui? D'Israël. Il y a une précision dans la prophétie. Lorsque Dieu parle, tu deviendras roi. Roi de qui? Où? Roi d'Israël. Si tu deviendras roi d'Israël, tu dois commencer à faire ton histoire dans cette nation. Pendant que Israël traverse un moment dur où Goliath est en train de marteler la nation, pendant que Goliath est en train de mortifier l'armée d'Israël, à leur mettre la pression, sortez-moi quelqu'un, nous allons nous battre. Si vous gagnez la bataille, nous vous serons assujettis. Si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Les gens reculaient. Les frères de David reculaient. Ils avaient peur. Formés pour la guerre. Quelle est la formation que tu as faite? Tu peux être formé d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir des diplômes. Mais écoutez-moi, les diplômes que tu as ne peuvent te servir à rien pendant que tu n'as pas le verbe de Dieu. Et tu ne connais pas la conjugaison des verbes de Dieu. Si tu ne connais pas la conjugaison des verbes de Dieu, tu ne peux pas atteindre l'excellence dans ce que tu fais. Je parle de la conjugaison des verbes de Dieu.
savoir comment Dieu parle et comment il accomplit. Quel est le temps qui passe avant entre le temps où il parle et le temps d'accomplissement? Et quelle est ton attitude? Et l'attitude de Dieu sera comment? Parce que lorsqu'il parle, il disparaît. Quand il parle, il disparaît. Il ne parlera plus. Il faut que tes actes commencent maintenant à parler. David, on lui envoie pour regarder, rendre visite à ses frères, amener des choses, de quoi à manger. Il arrive là, il saisit l'opportunité. J'aime les gens qui saisissent les opportunités. Il y a des choses que Dieu ne parlera jamais. Jamais. Bien-aimé, vous savez, je suis prédicateur francophone. Quelqu'un qui ne parle pas français m'a entendu prêcher sur YouTube. Cette femme a dit, il faut qu'il prêche dans mon église. À Minneapolis, aux États-Unis. Il faut qu'il prêche dans mon église. Sans comprendre ce que je disais. Il faut qu'il prêche dans mon église. Il fallait essayer de mettre une vidéo avec une petite caméra sur Internet. Et après, commencer à s'organiser, à prendre de bonnes caméras. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'évangile est annoncé partout. Est-ce que tu oses? Est-ce que tu oses faire des choses? Ça, Dieu ne te dira pas. Mon serviteur, tu dois être médiatisé, il ne dira pas. David est venu, il avait une opportunité. Dans cette opportunité, il a saisi l'opportunité. Il pose d'abord la question, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera? C'est ce Philistin. On lui a dit, il deviendra le gendre du roi. Sa famille sera affranchie. Parce que tout Israël était en esclavage sous la domination de Saül. Sa famille sera affranchie. Ah bon? Quelle belle opportunité. Il n'a pas dit aux gens que moi, Dieu m'a dit que je deviendrai roi. Non, ça il ne l'a pas dit. Lui, il savait que si je deviens gendre du roi, j'aurai l'opportunité d'être dans la cour royale parce que je ne peux pas devenir roi si l'onction qui environne la cour royale ne m'affecte pas. Il y a une onction d'environnement. La Bible déclare ceci. Saül, lorsqu'il avait rencontré le prophète Samuel, Samuel lui a dit, lorsque tu verras ces signes, après tu rencontreras une troupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. C'est l'environnement de la troupe de prophètes qui a permis à Saül de prophétiser. Pendant que je suis en train de parler, il y a l'onction prophétique qui est en train d'environner la blocabocha, c'est lieu. Le problème, ce n'est pas d'être un prophète. Le problème, c'est d'être dans l'environnement prophétique. Mois de juillet, moi et ces messieurs, cravate, costume, chemise blanche, costume bleu, pour avoir la tenue des hommes d'État, on est parti voir Jean-Marie Le Pen. On a été convoqués. Il y a des preuves, il y a des courriers que j'ai reçus à mon nom. Il y a les livres avec les cachets, l'empreinte, l'orthographe de la femme de Le Pen. Je l'ai dans mon bureau. On part, nous deux. On est parti là-bas. On a parlé de la part de Dieu, ce n'était que des signes. Et ces signes n'étaient que des langages de Dieu pour dire qu'il y a la grandeur en vous. Travaillez maintenant sur la grandeur. Mon problème est que si je n'ai pas encore rencontré le président de la France, je m'en fous. Je sais que je suis faite pour des gens de basse classe. Non pas pour rester dans la bassesse, mais pour les amener à la grandeur. Mais je suis faite aussi pour les gens de la hauteur. Alors ne vous étonnez pas lorsque tu entends les prophètes exaucés, on l'a mis dans un journal, comme un sorcier, comme un magicien. Ne vous étonnez pas. Mais malheureusement, Dieu est merveilleux. Oui, www.exaucelungu.com. Vas-y. Tu vas voir les kystes disparaissent, les gorges gonflées comme ça, ça disparaît, les boîtés, laisse les mecs. Le paralytique marche. Pendant que les gens parlent, le miracle s'opère. Et cet homme est en train de marcher dans la sainteté avec Dieu. Qu'importe ce que les gens pensent, ce que les hommes disent de toi, ce que je sais, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a parlé, il accomplira sa parole. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Regarde le comité de freinage de Sambala et de Tobija. Ton Sambala et Tobija font partie du comité de freinage. Et ces gens-là
pour que le diable fasse bien son travail en toi. Ça ne peut pas être des personnes que tu ne respectes pas. Il faut que ce soit des gens que tu respectes. Eliab. Excusez-moi les termes. Il pète des plombs devant David. La Bible dit qu'il s'est enflammé de colère pour dire qu'est-ce que tu es venu faire ici? Toi, tu dois être derrière les troupeaux. Ta place n'est pas ici. En d'autres termes, il voulait lui dire, est-ce que tu as les diplômes que moi j'ai? Est-ce que tu as l'âge que j'ai? Tu sais, dans la famille, qu'est-ce que papa avait dit? Qu'est-ce que tu fais là? Et tu parles avec les gens concernant la guerre. Est-ce que tu as pris la guerre? Ne sais-tu pas que si tu touches à des choses saintes, la loi mosaïque dit que si ces choses ne sont pas adressées à toi, tu peux mourir. Tu veux nous apporter les malheurs dans la famille. J'ai appris à ne pas écouter n'importe qui. Il a dit, on connaît ton orgueil. Bien aimé, la frontière entre l'orgueil et l'audacité est subtile. La différence, c'est à quel niveau? C'est lorsque les prophètes exaucés commencent à dire qu'il est le meilleur prédicateur de tous les prédicateurs. Là, c'est un orgueilleux. Mais je ne fermerai pas ma bouche pour dire que je suis un bon prédicateur. Un prédicateur médiatisé, pas plus que quelqu'un. Paul dit que celui qui se glorifie, le glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Il dit, si son apôtre, je le suis par des travaux durs, par la souffrance. Je fais naufrage. On m'a fait sauter dessus par une corbeille. Oui, le prophète exaucé, abandonné de tous. Qui connaissait le prophète exaucé? Qui pouvait parler de lui? Qui pouvait l'inviter? Abandonné, écrasé, déconsidéré. J'étais avec cet homme, avec une voiture, pour que ça démarre. Moi, je démarre. Lui, il ouvre les capots. Il tape à la batterie. Il tape. Moi, je démarre. 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 Mais nous ne prêchons pas de véhicules. Nous ne prêchons pas de maisons. Mais nous prêchons Jésus qui est ressuscité. Scandale pour ceux qui périssent. Et ce Dieu peut te prendre la poussière. Il peut te prendre de la poussière pour t'amener dans la grandeur. Oui, il peut le faire. Il parle avant. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à Amos, à ses serviteurs. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret, sans avoir parlé. On a dit qu'il parle de plusieurs manières. David arrive là. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Il a battu Goliath. 1 Samuel chapitre 17, verset 55, la Bible dit, lorsque les rois qui étaient en observation par rapport à la bataille, je ne sais pas, les rois se cachaient où pour observer la bataille. À cette époque, il n'y avait pas des avions où ils pouvaient rôder en haut pour regarder, parce que la bataille se faisait dans la vallée. Israël était de l'autre côté, et ils étaient de l'autre côté, il y avait un abîme au milieu. Il observait, si on était au Congo, on allait dire qu'il était dans le Kundelpin. Il était en train d'observer. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va bousiller la tête de ce jeune homme audacieux qui se fait passer pour quelqu'un d'important? Bien aimé, les gens t'observent, tu ne sais pas. Apôtre Douglas, les gens t'observent. Oui, les gens t'observent. Laisse-les t'observer. Ils sont quelque part. Ils savent déjà que tu vas échouer à telle période. Mais ils ne savent pas le projet que Dieu a formulé pour toi par rapport à ta percée, par rapport à ton bonheur. Mais hey, déclare des choses contre toi. Ils maudissent le matin, ils maudissent le soir, ils maudissent à tout temps. Mais c'est que Dieu a saisi. Personne ne peut toucher. Écoutez. C'est là où maintenant, je suis entré dans mon message pendant 10 minutes et je finis. La Bible dit, verset 55, 1 Samuel chapitre 17. Lorsque les rois ont vu David couper la tête du Philistin Goliath, qui faisait à peu près 3 mètres, le manteau de Goliath pesait 57 kilos. Il a dit, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? C'est quoi cette question? Les rois connaissaient David. David venait chez lui pour les soulager. Lorsqu'il jouait à la harpe, l'esprit mauvais venant de Dieu, les esprits mauvais venant de Dieu les quittaient.
Mais comment il peut poser cette question? C'est comme si je pose la question pour le prophète Riffin, d'où il vient, pendant que je le connais, ou je pose la question pour le pasteur Papi Badiangila, en disant d'où il vient. Mais la question du roi avait une autre connotation. Pourquoi? Les rois, pour être élevé roi en Israël, ou pour être président de la République, tu dois connaître la constitution de la nation. Si tu ne connais pas la constitution de la nation, si tu n'es pas équilibré dans ta vie, si tu n'as pas étudié dans les bonnes écoles, si tu n'as pas un compte bancaire dans ta famille qui est gonflé, tu ne peux pas accéder à des postes importants, en l'occurrence la présidence de la République. Et à cette époque en Israël, tu ne pouvais pas devenir roi sans connaître la constitution d'Israël. Or, la constitution d'Israël, c'était la loi de Dieu. Il fallait connaître les valeurs qui sont liées à toutes les tribus. Il savait que la tribu de Juda était liée à la louange. Mais toi, tu coupes la tête de Goliath, ça, ce n'est pas la louange. Écoutez-moi. Genèse au chapitre 30. Lorsque Léa, qui n'était pas aimée de son mari, avait enfanté Juda, elle a dit, je loue l'Éternel. Dina, son nom veut dire jugement. C'est pour cela, à cause d'elle, il y a eu jugement de cette nation. On les a tués quand ils ont fait la circoncision. Issachar, c'est celui qui porte le fardeau. Alors les rois connaissaient les valeurs liées à toutes les tribus. Mais comment toi, dans ta vie, c'est la louange. Et puis tu étais un louangeur dans la brousse. Il chantait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu es venu chez moi, tu m'as amené tes cantiques de louange. Pendant que tu louais, les esprits mauvais m'ont quitté. Mais quelle dimension que tu me sors. Alors le problème c'était quoi? David, dites amen pour que j'explique. Lorsque nous parlons de la louange, il y a ce qu'on appelle la louange universelle et la louange des rachetés. La louange universelle, c'est toute action que tout homme qui respire, je ne parle pas du souffle de Dieu, là, tout homme qui marche, qui un jour peut dire, hé, ça c'est vraiment Dieu. Combien de personnes l'ont fait pendant qu'ils étaient païens? Pendant qu'ils étaient païens. Les gens le font, non? C'est la louange universelle. Mais la louange des rachetés, c'est une louange qui est liée à l'adoration. C'est la profondeur de l'adoration qui amène les gens à pouvoir prononcer des louanges de Dieu. Psaume 103, verset 1 à 3. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ok, là, il assujettit son âme à une position pour que son âme loue Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'on puisse louer, parce que la louange, c'est l'effet de citer les merveilles de Dieu. Or, les merveilles de Dieu sont facilement oubliées lorsque la vie d'adorateur n'est pas en nous. C'est la vie d'adorateur, parce qu'un adorateur est celui qui réalise qui est Dieu. Cette personne, même lorsqu'il y a la bataille, pensera à ce que Dieu a fait dans sa vie autrefois. Alors David, quand il était en train d'élever cette dimension, il pensait qu'il a tué l'ours et le lion par ricochet de la puissance de Dieu. Et la louange ressortait de ses actes. Et cette louange l'a permis de pouvoir reconnaître les dieux qu'il a appelés et qu'il a oint. Il n'a plus besoin de retourner chez le prophète Samuel. Il avait besoin juste de réaliser par l'adoration l'huile qui était sur sa tête. Alors par là, il a élevé une dimension christique. La dimension qu'il a élevée l'a permis d'élever Christ en lui. Et il était devenu Jésus. Samuel chapitre 13. Je me suis choisi un homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur veut dire le bien-aimé. Matthieu chapitre 17. Transfiguration. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire l'homme selon mon cœur, en qui j'ai mis toute mon affection. Or David, Dieu avait mis son affection en lui. Quand David réalise cela, il dit, toi tu combats contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je combats contre toi au nom de l'Éternel des armées. En annonçant le nom de l'Éternel des armées, il adore le vainqueur de vainqueurs.
Il adore Dieu. Et dans cette adoration, il n'avait pas besoin de pouvoir se battre longtemps avec Goliath. Une seule pierre suffisait pour terrasser les grands Goliath. Et quand Goliath était tombé, le roi a dit, ça ce n'est plus la dimension de louange. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier que moi j'ignore, malgré que je connais la constitution d'Israël. Ah, moi tu ne peux pas me maîtriser. Ah, tu ne peux pas me maîtriser. Si toi on te maîtrise, refuse. On ne peut pas te maîtriser parce que tu es immaîtrisable. Ah, c'est une expression peut-être qui n'existe pas dans la stylistique française, mais je l'emploie. Ma bro pakebo. Immaîtrisable. Moi, tu ne peux pas maîtriser. Tu ne peux pas savoir exactement je suis avec qui. Avec qui je traîne tout le temps. Il y a des endroits, lorsque tu veux me voir là-bas, tu ne me verras pas. Il y a des endroits où je pars rarement, ou soit je ne pars pas, parce que j'ai la constitution de Dieu. La constitution de Dieu t'amènera à comprendre le kairos et le chronos. Lorsque Dieu parle, c'est le chronos. Lorsqu'il accomplit, c'est le kairos. Mais entre le chronos et le kairos, il y a un laps de temps, un temps que tu ne peux pas maîtriser. Ah, Dieu cherche le fils d'Issacar, le fils d'Issacar, qui ont discerné le temps pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour Israël. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un a saisi? Est-ce que quelqu'un a saisi la dimension prophétique de la parole? La dimension prophétique de celui qui annonce. Est-ce que tu as saisi cela? Non, mais que c'est quelqu'un qui avait saisi. Il va faire quelque chose qui va attirer l'attention de Dieu afin que le kairos puisse revenir. Non. Non, mais si tu saisis, le mouvement qui est en train de se faire, le mouvement prophétique qui est en train de se faire, c'est là que tu vas provoquer quelque chose, où Dieu maintenant, où Dieu, là je sens déjà que Dieu est en train de mettre les fourmis prophétiques, est en train de lever les fourmis prophétiques. Le Dieu qui parle avant d'agir. Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. Dieu veut agir maintenant dans la vie de quelqu'un. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non, on n'a pas saisi, On vient de nous dire une chose, hein, que la prophétie, c'est Dieu. Mais l'accomplissement de la prophétie, à 80% dépend de qui? Non, mais je ne vois pas quelqu'un qui à 80% veut voir son l'accomplissement de sa prophétie. Non, je ne vois pas quelqu'un à 80% veut chatouiller. Chatouiller Dieu. Touche. J'aime cette atmosphère qui est en train de se faire. J'aime cette atmosphère prophétique qui est en train de descendre là. Un violent va saisir sa part. Un violent va toucher. Oui, c'était un jour ordinaire, mais ce jour sera exceptionnel. Exceptionnel. Vous savez, même quand on parle de la grâce, on parle de la grâce de Dieu. Mais Paul est en train de nous dire que la grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous n'avons pas fait d'efforts pour devenir enfants de Dieu. Mais Paul est en train de dire qu'il s'agit aussi d'une autre grâce qui s'appelle la grâce plus excellente. C'est la grâce exceptionnelle. Cette grâce exceptionnelle, c'est ce que tu n'as pas encore compris, que non, un jour ordinaire peut devenir extraordinaire. Non, un jour sans une connotation particulière peut devenir un jour de gloire. Qu'aujourd'hui peut devenir ton jour de bénédiction, ton jour de guérison. Ton...